Au début, c'est parti quand même assez tranquille. On a laissé un peu le peloton aller tranquillement. Je pense qu'on est parti au troisième tour, il me semble. Sans forcément partir, mais à un moment donné, j'ai pris un relais fort dans le deuxième tour. Un long relais, c'est un petit peu grainé, mais sans plus. Et un tour après, Martin était devant. Je suis passé à côté sans forcément attaquer. Par contre, j'ai continué à rouler fort et on était 6, puis 5, puis 4, puis 3 avec Valentin. Charlie Grillon était pas loin de passer le cap avec nous, mais il manquait 3-4 mètres, il était un petit peu en drapeau et prenait le vent autant que nous, donc du coup il a pas pu nous suivre. Et après 3 tours je pense en compagnie de Valentin, on a commencé à attaquer et il a suffi d'une attaque puis d'un compte de Martin et après on est parti tous les deux. Et voilà, le but c'était de faire un tour de relais chacun et de se faire mal. Maintenant, il y a 2 ans aussi, on avait fait exactement la même chose sous la pluie. On avait fait 1 et 2 dans le même ordre, avec les mêmes combinaisons. Et c'est vrai que c'était un beau souvenir. Bon, il avait plu, on n'avait pas roulé aussi vite, mais là, vraiment, le but, c'était, mis à part de gagner, c'était aussi de se faire mal pour préparer au mieux Berlin la semaine prochaine. Val, je m'entraîne avec lui. Je sais que sur un sprint, il est quand même assez dangereux. Donc, plutôt, il n'était plus avec nous, mieux c'était, on l'a prospecté. Ouais, il marquait dès le début de la course, donc j'ai fait un tour assez fort. Nolan il m'a contré sur le pont, et là j'ai dit on y va. Val il était à 2-3 mètres, j'ai insisté jusqu'à que je revienne sur Nolan. Et Val il a craqué à ce moment-là, et du coup après on était plus de 2 et il fallait finir le travail. On est parti séparer les garçons cette année, donc c'était un peu chiant. On aurait préféré partir avec les garçons parce que le rythme est plus intense. Après, on fait avec, on part sur un rythme régulier avec toutes les filles au début qui prenaient beaucoup de relais. Donc c'est bien pour une fois. Après, j'ai mis une attaque pour remonter Valentin qui nous a bien mené un peu. Après, le juge il nous a engueulés. Donc on a dû se séparer de Valentin, après il y a d'autres garçons qui sont passés, j'ai remis une attaque, ça a scindé le peloton plusieurs fois et dans les 5 derniers tours on se retrouve à 4 filles avec des garçons qui nous suivaient derrière. Donc il y avait qui dans le groupe? Il y avait Fanny Malandras, Marine Carvolaine et ma coéquipière Manon Faboulet et on a fini à 4 jusqu'au sprint d'arrivée. Ma coéquipière Manon fait 2. On a mené toutes les deux le dernier tour. Donc je fais la première partie, elle fait la fin. Et dans la ligne droite en face de l'arrivée, je dis à Manon de prendre la place derrière moi pour la recaler avant le sprint. Donc je fais toute la fin devant et Manon reste derrière moi et avec ça on arrive à faire un. Y'all better watch out. No fixes on the